Le crâne de maman. C'est le livre du jour, un roman posthume écrit par Zamenga Batukezanga, publié aux éditions Média Saint-Paul. Qui est Zamenga? Zamenga Batukezanga, Zabat pour d'aucuns, est né à Nkolo, dans le Bas-Congo, en 1933. C'est un écrivain du XXe siècle. Il fut sous-directeur des œuvres estudiantines, chargé de l'animation socioculturelle au campus universitaire de Kinshasa. Zamenga est l'auteur de plusieurs œuvres, dont « Les hauts et les bas », « Souvenirs du village »,« Bandoki »,« Carte postale »,« Terre des ancêtres »,« Village qui disparaît »,« Sept frères et une sœur »,« 1000 km à pied »,« Un croco à l'Ouézi »,« Chéri Basso » et j'en passe, tant son œuvre est prolifique. L'histoire du livre se passe à l'époque où les églises missionnaires convertissaient les rois ainsi que leurs sujets et où elles s'étaient chargées de scolariser les jeunes autochtones. Les femmes avaient alors échappé à cette sorte de corvée. Il y avait une fille dont la mère ne voulait pas négocier le rachat. Alors, Monsieur Ngwali organisa le rapt de Denda. C'est d'elle qu'il s'agit. À l'âge de puberté, Ngwali décida donc de marier Denda à un homme appelé Wacha, qui n'était pas du même clan qu'elle. De leur union naquit un garçon, au nom de Bité, qui fit de très bonnes études primaires et secondaires. Monsieur Ngwali l'envoya donc continuer ses études universitaires aux États-Unis. Il devint évidemment un grand monsieur. La suite de l'histoire, je vous laisse la découvrir. Néanmoins, je vais vous lire un extrait en guise de conclusion. Bité se rendit compte qu'il fallait profiter de la sérénité du moment pour faire aboutir son projet. Car un autre malentendu pouvait surgir. Jusque-là, personne en tout cas ne lui avait parlé de ses parents. Finalement, après plusieurs suppliques, un vieux copain d'enfance offrit pour lui indiquer la tombe de sa mère. La tâche sera bien difficile. Je ne suis pas du clan de ton père et tu sais sans doute que la coutume interdit à toute personne de montrer la tombe de quelqu'un qui n'est pas de son clan. L'amende transactionnelle pour un manquement en cette matière est assez lourde. Par exemple, payer une vache ou une croisette en cuir. Aide-moi, cher copain. Tu connais quand même mon enfance et les conditions si humiliantes dans lesquelles ma mère a vécu toute sa vie durant. Si tu le fais très discrètement, personne ne le saura. Je te ferai, crois-moi, une agréable surprise. Soit, suis-moi donc très bien, car je ne te l'indiquerai pas du doigt. Regarde discrètement le flanc de cette montagne, un peu vers le bas. Aperçois-tu l'unique gros arbre aux feuilles vertes? J'aurais pu continuer la lecture, mais une fois de plus, je vais vous laisser l'occasion de découvrir la fin de l'histoire vous-même. Pour terminer, donc, moi j'aimerais vous recommander la lecture de ce livre. Il faut le lire. Mais au-delà de ça, il faut lire encore, car la lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Et bien entendu, elle participe à notre accomplissement. Tant en tant qu'individu, qu'en tant que société. Au revoir.